suis agricultrice en Aveyron. Donc, c'est une ferme qui est en semi-direct sous couvert végétal depuis 1980, c'est-à-dire qu'on travaille uniquement avec les racines de plantes vivantes. Et en parallèle, je suis également formatrice en France pour aider d'autres personnes à s'intéresser à l'agronomie et aller plus loin. Donc, la première philosophie de l'agriculture de conservation, c'est déjà faire attention à son sol. Sans sol, il n'y aura pas d'agriculture, il n'y aura pas de civilisation ni rien. Donc, notre objectif, c'est tout le temps de partir sur un sol qui est vivant. Et à la fin, on veut avoir une agriculture basée sur du résultat. Et les résultats, ils vont être de trois ordres. Donc, d'un point de vue économique, c'est à la fois continuer de produire en quantité, mais aussi en qualité. Ensuite, d'un point de vue environnemental, notre objectif, c'est à la fois de réduire l'érosion, mais aussi participer au maintien de la biodiversité, notamment avec les couverts végétaux, par exemple, qui vont faire qu'il y a des fleurs pendant l'été, que les abeilles et les auxiliaires de culture seront présents. Et enfin, c'est d'un point de vue personnel, c'est d'améliorer la qualité de vie de chaque agriculteur. Et tout ça, ça participe aussi à répondre aux attentes sociétales. Les attentes sociétales aujourd'hui veulent que l'on produise plus propre, mieux, en diminuant notre impact sur l'environnement. Quand on passe dans le système d'agriculture de conservation, donc il repose sur trois piliers, hein, c'est perturbation minimale du sol, couverts végétaux et rotation, la phase de transition doit absolument intégrer les couverts végétaux. Si le sol a été travaillé par des couverts végétaux, par des racines de plantes vivantes, à ce moment-là, on pourra arrêter de travailler le sol avec des outils métalliques. Mais en aucun cas, on peut faire l'inverse. Tous les échecs que l'on a aujourd'hui ou que l'on a vus par le passé, c'est parce qu'en fait, les gens étaient partis en semi-direct, mais avaient oublié cet aspect de couvert végétal, moyennant quoi, comme le sol n'était pas travaillé, on avait des échecs. Premier conseil, ne partez pas tout seul. Là aujourd'hui, je trouve ça génial parce qu'il y a une bonne dynamique dans beaucoup de départements. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était une plateforme sur laquelle il y avait 23 couverts. Il y a eu des essais où on essaie de trouver d'autres solutions pour remplacer le glyphosate. Il y a beaucoup d'échanges, de partages et c'est dans la discussion qu'on peut avancer. Plus on partage, moins on fera d'erreurs et plus vite on ira.